me approach phase, everything looking good. Roger, Columbia. You got your normal CAPCOM flat now. Que a música esteja sempre convosco. Objets. Pour ma fille, je souhaiterais quelque chose de... un petit peu plus simple. Bien sûr. Je vais vous montrer ce qui conviendra le mieux à votre fille. Vous permettez? C'est une pièce unique. Je vais vous laisser choisir tranquillement. Je reviens tout de suite, mesdames. Il te plaît? Tout se passe comme vous le souhaitez, monsieur de Clèves? Oui, oui. Dites-moi, qui sont ces deux dames? Ce sont deux dames de grande famille. Regarde. François de Guise a l'air très amoureux de ta fille. S'il ne l'est pas, il m'en a tout l'air. Mais ça ne plaît guère à ses parents. Ah non? C'est une vieille histoire de famille. Et puis, ils songent à une autre. D'ailleurs, ma fille ne l'aime pas. Ah? Je ne le savais pas. C'est un juste retour des choses. Elle en aime un autre? Elle en a aimé un autre, oui. Mais pas lui. Ah? Je crois qu'elle le trouve trop jeune. Ce collier qu'elle porte est magnifique. Comment peut-elle être si triste avec un si beau bijou autour du cou? Justement, je lui ai offert ce collier il y a quelques jours, en pensant que ça pourrait l'aider. Elle traverse un moment vraiment difficile. Difficile à ce point? Tu sais comment sont les jeunes gens aujourd'hui? Ah oui. Tout le contraire de l'éducation que tu as donnée à ta fille. Et cela ne peut entraîner que des complications. Peut-être. Mais je ne regrette rien. Les jeunes d'aujourd'hui sont imprudents. Ils ne pensent qu'à faire des bêtises. Et ces bêtises ne sont ni du goût de ma fille, ni du mien. Mais ma chérie, elle en souffre. Je le sais bien. Et sa force de caractère la défend d'une étourderie qui pourrait la faire souffrir davantage. Je comprends. Je suis même d'accord avec toi.
Elle mérite quelqu'un qui lui offre une vie stable et heureuse. Mais comment veux-tu changer le cours des choses? Je ne tiens pas à le changer. Mais nous faut nous défendre. Nous défendre? Que peut bien faire une personne toute seule contre le poids de la société? Ça, c'est une question de volonté. La force de la volonté. Tu sais, un voleur et un assassin l'étaient tout autant il y a 500 ans. Il y a morale et morale. Les choses changent, bien sûr. Mais il reste quelque chose qui est toujours valide et qui ne change pas. Et puis, il existe encore quelques exceptions, Dieu merci. Tu crois que nous sommes une exception? Oui. Quelque chose de très rare. Regarde, voilà une autre rareté, Monsieur de Clèves. C'est un médecin qui a une grande réputation, un homme très droit et riche. Ce serait un très bon mari pour ta fille. Je vais te présenter à quelqu'un. Comment allez-vous, Monsieur de Guise? Et vous, Monsieur de Clèves? Bien, merci. Monsieur de Clèves, Mademoiselle de Chartres. Enchantée. Tu viens avec nous? Monsieur de Clèves, Madame de Chartres. Tu restes avec nous? J'aurais bien aimé rester avec vous, mais François de Guise m'attend. Vous permettez? Je vous accompagne. Mademoiselle. Tu vois? J'étais sûre qu'il serait tout ému. Ta fille est vraiment très belle. Votre fille est adorable. On m'a dit que vous avez pris grand soin de son éducation. Je ne vous dirai pas le contraire, Monsieur de Clèves. Mais je ne suis pas sûre que ce soit celle qui convienne le mieux aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Son bonheur. On ne comprend plus très bien comment préparer une jeune fille à la vie. Mais comment une jeune fille qui a toutes les qualités pourrait-elle ne pas être heureuse? Vous avez raison. La beauté jointe à la bonté est un don rare, mais cela ne remplace pas l'importance de l'éducation. Justement, c'est pourquoi je te dis que le bonheur de ta fille réside dans le choix judicieux de son mari. Jamais personne ne vous aimera autant que moi. Vous m'entendez, Catherine? Je vous aime comme personne. Oui, François, j'ai entendu. Et maintenant, écoutons la pianiste. Thank you.
Bonsoir, la France. Je veux que vous soyez bravos. Je veux vous entendre ici, très fort. C'est difficile. Quem sabe esta canção? Eu quero ouvir. Quando todos vão dormir, é mais fácil desistir. Quando a noite está a chegar, é difícil não chorar. Eu não quero ser a luz que já não sou. Não quero ser primeiro, só o tempo que acabou. Eu não quero ser as lágrimas que vês. Não quero ser primeiro, só um barco dos mares. Hoje acordei e senti-me sozinho. Um barco sem vela, um corpo sem linha. Amanheci e vesti-me de preto. Um gesto cansado, um olhar no deserto. Porque quando todos vão dormir, é mais fácil desistir. Quando a noite está a chegar, é difícil não chorar. Eu não quero ser a luz que já não sou. Levou! Não quero ser. Ei! Sou o tempo que acabou. Eu não quero ser as lágrimas que vejo. Sou tuas amarras e tocam guitarras por ti como dantes. Agarra-me esta noite. Sinto o tempo que eu perdi. Agarra-me esta noite. Que amanhã não estou aqui. Agarra-me esta noite. Sinto o tempo que eu perdi. Agarra-me esta noite. Que amanhã não estou aqui. C'est formidable.
est excellent. Et en plus, il a une très belle voix. Oui, comment dire, cette expression. Il est en train de devenir assez célèbre. On dit qu'il a signé pour chanter à New York. Il ira loin. Pedro Muñoz. Madame de Chartres, monsieur et madame de Clèves aimeraient beaucoup vous féliciter pour ce magnifique concert. J'ai beaucoup aimé. J'en suis très flatté, madame. Il ne s'agit pas de flatterie, je suis tout à fait sincère. Certes, ce n'est pas exactement la musique que je préfère, mais j'ai été très sensible à votre façon de chanter. Sincèrement, ça m'a touchée. Sincèrement? Sincèrement. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup, monsieur de Clèves. Ça me fait très plaisir. Et vous, madame, vous n'avez sans doute pas beaucoup aimé, n'est-ce pas? Non, au contraire, j'ai adoré. C'est vrai? Vraiment? Ah oui? J'aurais été très triste que vous n'aimiez pas. Quelle idée, tout le monde était enchanté. Merci encore une fois, madame, mesdames, messieurs. À votre santé. Je vous laisse une ordonnance pour vous soulager si vous souffrez. Quant au reste, vous pouvez continuer les médicaments et suivre le même régime. Je connais la gravité de mon état. Parce que je le sens. Docteur, dites-moi sans détour le temps dont je dispose. Je suis obligé de vous dire que le temps qui vous reste est très court. Vous confirmez ce que je savais déjà. Je vous remercie de votre franchise. En tant que médecin et en tant que vieil ami, je me devais de vous dire la vérité. J'admire votre courage et la force de votre esprit. Mes soucis sont d'un autre ordre désormais. Tu as besoin de quelque chose? J'ai besoin de parler avec toi. Mais d'abord, accompagne le docteur. Reviens me voir ensuite. Madame. Ta mère est vraiment courageuse. Elle connaît la gravité de son état. Elle aura besoin de tous tes soins pour atténuer ses souffrances. Alors toutes mes craintes se confirment? Malheureusement, oui. N'hésite pas à m'appeler. Merci, docteur. Que nous vaut votre visite? J'ai appris la maladie de votre mère. J'ai voulu sans tarder avoir de ses nouvelles. Si je puis vous être utile en quelque chose. C'est une grande attention de votre part. Monsieur Abrugnos est venu pour prendre des nouvelles de ma mère. C'est trop aimable de vous.
Si vous permettez, je vais la rejoindre. Je vous laisse en compagnie de mon mari. Je vous en prie, madame. Il est vrai que l'état de madame de Chartres nous donne beaucoup d'inquiétude. Passons dans le salon. On dit que vous êtes très sollicité partout et qu'on vous demande à New York. Oui, c'est vrai. Je ne peux pas aller partout, mais j'irai à New York. Et vous y aurez sûrement un énorme succès. Je vais tout faire pour ça, bien sûr. Monsieur de Clèves, monsieur Da Silva vous demande au téléphone. Je reviens tout de suite. Je vous en prie. Qu'as-tu, mon enfant? Sans le vouloir, je suis assoupie. Je t'ai réveillée, excuse-moi. Non, c'est pas grave. J'étais juste en train de somnoler. Ça a mis du temps. Pedro Abruñoz est arrivé au moment où le médecin partait. Il est venu prendre de tes nouvelles. Aussitôt après, Louis est rentré, il m'a libérée. C'est pour ça que j'ai un peu tardé. Libérée. C'est bien le mot. Que veux-tu dire? Ma fille, tu es ma seule préoccupation. Certainement, le médecin t'a mise au courant de mon état de santé. Et le besoin que tu vas avoir de moi me rend plus affreux. Le fait que je dois te quitter. Mais que dis-tu? Je ne suis pas en état de te demander une confession, ni de profiter de ta sincérité pour te conseiller. Depuis longtemps, je suis au courant de ton inclination pour Pedro Abruñoz. J'ai pas voulu t'en parler avant, pour ne pas t'en faire prendre conscience. Mais si j'ai eu peur de cette facilité, c'est que je te vois au bord du précipice. Je sais que tu dois faire des efforts d'une extrême violence. Songe à ce que tu dois à ton mari. Songe à ce que tu te dois à toi-même. Ne permets pas qu'on dise du mal de ta réputation. Et de la force et du courage. Choisis les chemins qui te sembleront, au premier abord, les plus rudes et les plus difficiles. Ils en seront plus doux par la suite. Que les malheurs d'une aventure amoureuse avec Pedro Abruñoz, qui t'oublierait bien vite. Si quelque chose doit perturber la sérénité que j'espère en sortant de ce monde, c'est de te voir sombrer comme les autres femmes. Si ce malheur devait arriver, je reçois la mort avec joie pour ne pas en être le témoin. Adieu, ma fille. Pense à tout ce que je viens de te dire. Et abrégeons une conversation
qui nous attendrit trop, l'une et l'autre. Calme-toi. Calme-toi. Et laisse-moi maintenant. J'ai besoin de me reposer un peu. Désolé, sincèrement. Je sais, merci. Tu te m'en sais pas dit. Merci beaucoup. Sois forte, ma chérie. Tu as perdu ta mère et moi, ma meilleure amie. Et sa pensée est avec nous. Et cela doit soulager notre souffrance. Je
Courage, madame. Courage. Merci. Je suis désolée. Toutes mes condoléances. J'aimerais parler à monsieur et madame. Ah, monsieur n'est pas là. Madame s'est retirée. Elle ne reçoit personne. Bon. Quel bonheur de te voir. Pour moi aussi, tu es belle comme toujours. C'est toi qui l'es. Je suis religieuse. Je n'ai pas à être belle. C'est vrai, mais tu es aussi belle que pieuse. À tes yeux. Tu es en deuil? Maman est morte. Console-moi, j'en ai besoin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des choses. Quelles choses? Allons à l'intérieur. Assieds-toi. Mère Angélique Arnaud. C'est la première fois que je viens ici. La mère Angélique Arnaud a introduit le jansénisme ici à Port-Royal. Le jansénisme? Avant de mourir, ma mère a voulu me rappeler l'importance qu'avait la réputation d'une femme. Elle avait tout à fait raison. Je sais. Mais ce n'est pas ça qui me tourmente. C'est quoi alors?
Tu me connais bien. Et tu sais ce que j'ai souffert à cause de ce garçon qui m'a quittée. C'est vrai qu'après, il a voulu revenir. Et toi, tu n'as pas voulu. Oui, je m'en souviens. Il a rompu parce que tu ne lui accordais pas tout ce qu'il voulait, n'est-ce pas? Je trouve que tu as très bien fait. Je ne sais plus ce qui est bien. C'est vrai qu'avec mes amis, les choses ne se passent pas du tout comme ça. Elles ne se tracassent pas. Elles se donnent à leur petite amie, tranquillement. C'est elles-mêmes qui me le disent. Elles en parlent sans la moindre pudeur. Comme s'il s'agissait de la chose la plus naturelle du monde. Et les garçons... Ils en profitent. Ce qu'ils veulent, c'est s'amuser. Et tu trouves ça normal? Aujourd'hui une, demain une autre? Qu'est-ce que cela peut te faire? Ce n'est pas de ta faute. Ça te choque? Ce n'est pas surprenant, moi aussi. Ils sont superficiels et c'est ce qu'ils veulent. Dieu a créé les hommes libres. Ils vont plutôt vers les choses du monde. Tu sais, je ne sais pas très bien où j'en suis. J'aime mon mari. J'ai beaucoup d'affection pour lui, beaucoup même. Mais aimer... En fait, je n'ai jamais aimé personne véritablement. Que veux-tu dire? Tu n'aimes pas ton mari? Je l'aime beaucoup. Mais de l'amour véritable, non. Je n'en ai pas. Mais tu l'as épousé? Oui, parce qu'il m'inspirait du respect et de l'admiration. Et parce que lui m'aime vraiment. L'autre ne m'aimait pas. Il voulait juste tout se permettre et nous n'étions pas encore fiancés. J'en ai beaucoup souffert. Ce qu'il ressentait pour moi, c'était du désir, pas de l'amour. Mon mari m'aime. Et mon mariage m'a apporté une certaine sécurité, un bien-être affectif. L'idée de ne pas l'aimer de la même manière me tourmente. Et je souffre de penser que j'ai été égoïste en acceptant de l'épouser. Le mariage ne se fonde pas sur l'amour. Et encore moins sur la passion. Mais sur le consentement. Et consentir est déjà une forme subtile d'aimer. C'est comme ça que l'Église voit le mariage. Si c'est là tout ce qui te tourmente... Allons. Je te vois très sombre. C'est dur de te le dire. Mais j'ai besoin de parler. De m'ouvrir à quelqu'un. Et tu es la seule personne en qui je puisse avoir confiance. Dis-moi. J'aime quelqu'un. Que veux-tu dire? C'est pas possible. Nous pouvons contrôler nos sentiments, mais nous ne pouvons les éviter. Ma mère s'en est rendue compte et elle m'a avertie du danger. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a parlé de mes devoirs envers mon mari. Et de ma réputation. La réputation. Qu'est-ce qui fait encore attention à ça aujourd'hui? Et pour le cœur, qu'est-ce que ça signifie, la réputation? Je suis tombée dans un guet-apens sans le vouloir. Et le comble, c'est que je sais qu'il m'aime. Comment le sais-tu? Je l'ai vu sans qu'il s'en aperçoive. Prendre un petit cadre qui contenait ma photo et le cacher dans la poche de sa veste quand il est venu prendre des nouvelles de ma mère. D'ailleurs, je m'en doutais déjà à la façon qu'il avait de me regarder. Mon Dieu, et qu'est-ce que tu vas faire maintenant?
Le fuir? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Mais ce n'est pas facile. C'est Pedro Abruñosa. Tu as entendu parler de lui, peut-être? Non. Pourquoi est-ce que j'aurais entendu parler de lui? Il est très connu. C'est un chanteur. Mais c'est aussi un séducteur. On dit qu'il a beaucoup de maîtresses. Tu dois être forte, ma chérie. Et l'oublier. C'est un homme dangereux qui va ruiner ta tranquillité. Oui, je sais. C'est mon calvaire. Unique refuge trouvé par Farouk et sa mère. Le monde aujourd'hui a changé de main. Française. Il est passé du politique à l'économique. Tu veux dire que c'est l'argent qui règne ? Dans la nef pour accueillir les réfugiés. Mais exactement. On idolâtre l'argent, comme le veau d'or. Le vieux quartier d'Alger était depuis 4 ans le fief. Tu es très pessimiste, mon cher. Aujourd'hui, on y est face jusqu'au nom du parti Podni, le fils. Le mal n'est pas d'être pessimiste. Le mal, c'est d'avoir des raisons de l'être. On voit être fouillé. Un attentat vient encore d'être commis jeudi dernier. Et quelles sont les raisons qui te poussent à ce désespoir? Chahali, un lieu mythique du vieil Alger. Une grenade jetée par un jeune de 18 ans. Mes raisons, ce sont les impostures comme celles que nous venons de voir. Est-ce qu'il n'y a pas la raison de désespérer? La grenade et l'a jetée sous les pieds des clients. Tout le monde a fui et ça a explosé. Deux morts, dont un ce sont des situations désespérantes, il n'y a pas de doute. Toi, tu es policier, lui est policier. Il ne faut pas voir que ce côté-là des choses. Tu crois qu'on va prendre chaque homme et le mettre contre un mur? Ils ne peuvent pas. Écoute-moi, mon frère. Si nous, le peuple, on ne les aide pas... Le sens des vraies révolutions est tout autre. Elles sont... enfants soldats, nécessaires, comme d'ailleurs les guerres elles-mêmes. Sont les victimes des guerres d'aujourd'hui. Sur les trottoirs de à l'évolution de, Goma, de l'humanité a fait le point pour corriger les injustices. De chiffres éloquents, ces 10 dernières années, la guerre a tué plus de 2 millions d'enfants dans le monde et en a blessé ou amputé près de 6 millions. Sans parler des blessures... Elles sont dans la logique de la vie. ...de l'âme qui font que les enfants d'aujourd'hui seront peut-être les bourreaux de demain. Quel que soit son terrain d'action, constate l'UNICEF, la guerre est le terrain souviens-toi, d'un Louis. Adulte sans porte de sortie pour les enfants. Qu'il n'y a pas de nation qui n'ait été forgée par le fer et par le feu. Les hôpitaux, tout ce qui fait l'environnement naturel et la structure d'un enfant est affecté. Qu'est-ce que tu en dis? Pour les grandes organisations de protection de l'enfant, oui. Il ne s'agit pas d'inventer de nouvelles lois, mais simplement de faire... Excuse-moi, j'étais distraite par la télévision. Notre ami a raison, tu ne trouves pas, Catherine? Interdit. Oui, sans doute. On enrôle des enfants de moins de 15 ans. Des enfants de moins de 15 ans, il y en a partout, dans les conflits dans le monde aujourd'hui. Je croyais que nous n'en étions plus au Moyen-Âge et finalement je vois que nous y revenons. Paris, il n'était pas nombreux sous la pluie devant la gerbe posée pour c'est les tout de même très différent. De la folie des hommes. Mais le symbole était là, c'était Place des droits de l'homme, c'était le 11 novembre. Il y a eu des avancées, mon cher ami. Pour revenir au débat sur les 35 heures, la ministre de l'Emploi et de la Solidarité, Martine Aubry, a indiqué qu'il n'était pas question... Nous autres, les femmes, nous jouissons de certains droits qui nous étaient refusés dans le temps. La métallurgie entre le patronat et trois des syndicats. À l'étranger, aux États-Unis... Oui, c'est bien mon avis aussi. Bill Clinton reconnaît pour la première fois que son pays affronte la plus grave crise financière... Pour moi, l'erreur se trouve dans le système. Une fois que cette crise pourrait aisément être vaincue s'il bénéficie de l'appui de tous les Américains. Je suis d'accord. Le Premier ministre... Et même plus, à l'intérieur de ce système, il n'y a pas d'issue possible. La pression de l'OTAN était sérieuse. Et il a demandé nous marchons vers l'abîme. De constater que son pays se trouvait en état de guerre imminente. On me communique cette information de dernière minute. Un important carambolage a eu lieu en début de soirée sur l'autoroute A1 à la hauteur de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Parmi les nombreux blessés, on compte le chanteur-compositeur pop bien connu Pedro Abruñosa. Passons au sport maintenant. Dans le contexte des affaires de dopage qui secouent actuellement le monde du sport, 12 chimistes italiens d'un laboratoire de Rome ont donné leur démission. Tu as crié? Oui. Un cri étouffé, mais j'ai poussé un cri. J'étais sur le point de m'évanouir. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Nous étions avec des amis, les Silva. C'était affreux. Ils ont fait un ou deux commentaires sur l'accident.
Puis ils ont pris congé et ils sont partis. Et ton mari? Il n'a pas dit un mot. Il était livide. Sous prétexte qu'il était fatigué à cause de ses malades pendant la journée, il est parti se coucher. Je suis restée toute seule, sans savoir que faire. Oui. Ça a dû être un moment difficile pour vous deux. Mais tu n'as rien fait de mal. Une expression un peu vive, c'est tout. Laisse passer le temps. Il effacera cette impression désagréable. Tu as raison. D'ailleurs, je ne peux rien faire d'autre. Ça va passer. On va suivre ses instructions à la lettre. Très bien, docteur. Bonjour. Je cherche un de vos patients, monsieur Abrunosa. Oui, justement, il sort demain. Vous avez le docteur ici. Comment allez-vous, chère madame? Est-ce que je puis vous être utile? Merci beaucoup. Je suis allée rendre visite à une amie qui est religieuse dans le couvent à côté et je profite de l'occasion pour prendre des nouvelles de Pedro Abrunosa. Ah oui, il a eu cet accident. Mais sa sortie est prévue pour demain. C'est ce qu'on m'a dit. Heureusement, ça n'aura été rien de bien grave. Merci pour ces informations, docteur. Tout le plaisir était pour moi. Mon meilleur souvenir à votre mari. Je n'y manquerai pas. Au revoir, docteur. Au revoir, madame. Je suis plus digne de plainte que Pedro Abrunosa. Pardonnez-moi si je sors du profond respect que j'ai toujours eu pour vous en vous montrant ma douleur devant ce que je viens de voir. Je vous en prie. C'est la première fois que j'ose vous en parler, ce sera aussi la dernière. Dans ces termes, c'est sûrement la dernière. Seule la mort ou un éternel éloignement me peuvent retirer d'un lieu où je ne peux vivre. Je viens de perdre la triste consolation de croire que tous ceux qui osent vous regarder étaient aussi malheureux que moi. Je ne comprends rien de ce que vous me dites, mais la raison pour laquelle vous le faites. Ma passion me fait perdre tout contrôle. Si au moins j'avais de vous le plus infime signe d'espoir qui brise mon état d'angoisse insupportable. Je vous comprends de moins en moins. Excusez-moi, mon mari m'attend. Excusez-moi. Mon mari m'attend. Madame! Madame! C'était tout à fait par hasard. Oui, mais ni avant ni après cette visite à l'hôpital, tu ne m'as dit que tu étais allée voir Abrunosa. Je ne l'ai même pas vue. Je ne suis pas allée plus loin que le hall. Et puis j'allais partir quand ton collègue est venu me dire bonjour. Si je suis passée à l'hôpital, c'est parce que je suis allée voir mon ami au couvent et qu'il se trouve tout à côté. Je ne te l'ai pas dit parce que j'ai tout simplement oublié. Quoi qu'il en soit, c'est pas agréable du tout de l'apprendre par des tiers. On m'a dit aussi que François de Guise était au même moment en visite à l'hôpital. Et après être sorti en même temps que toi, il est mort, renversé par une voiture. C'est étrange. C'est très étrange. Ce qui est étrange, c'est ta façon d'en parler. C'est malheureux, je sais, comme tous les accidents, mais ce sont des choses qui arrivent. Des choses de tous les jours. Raison de plus pour m'en parler. Je n'ai appris sa mort que bien plus tard. Et si je suis allée à l'hôpital, je te le répète, c'est parce qu'il est à côté du couvent. Il n'y a rien de plus normal que de vouloir prendre des nouvelles de Pedro Abrunosa. Quant à ce malheureux accident, à ce qu'on m'a dit, c'est une imprudence en traversant la rue. Excuse-moi de te le faire remarquer, mais ta réaction devant la télévision m'a laissé perplexe. Ma réaction était instinctive. Pourtant, tout le monde l'a trouvée exagérée. Elle était exagérée peut-être, mais ma conscience est tranquille. Même après la mort de François de Guise? C'est ton attitude qui me surprend. Tu as l'air d'avoir beaucoup moins confiance en moi. S'il y avait des reproches à faire, ce serait plutôt de ma part. Tu as déjà oublié quand tu m'as laissée toute seule une journée entière à t'attendre en vain à la campagne? Je ne t'ai fait aucun reproche et j'aurais très bien pu. Tu ne t'en souviens pas? Oui, je me souviens. L'histoire de Madame de Tournon. Exactement. S'il y avait une nouvelle qui pouvait m'attrister, c'était bien celle de sa mort.
J'en aurais eu de la peine, même si je ne l'avais pas connu personnellement. Il est toujours bien triste qu'une femme jeune et belle comme elle meure en deux jours. Tu n'imagines pas combien j'ai regretté de n'être pas revenu. Mais son mari était malade et abattu. Je ne pouvais pas l'abandonner. Tu ne dois pas te chagriner à ce point pour Madame de Tournon. J'en suis bien étonnée. Tu me disais qu'il n'y avait pas de femmes que tu estimes davantage à Paris. C'est vrai, mais les femmes sont tellement incompréhensibles. Et quand je les vois toutes, ma chérie, je me sens si heureux de t'avoir que je ne suis pas capable de bien évaluer mon bonheur. Madame, Madame Duclèves. Je ne vous avais pas vue. Ça me fait plaisir de vous voir rétablie. Enfin, je veux dire, votre béquille, je suppose que... Je dois m'en aller, mon mari m'attend. À bientôt. Je suis allé vous rendre une visite dès que je suis sortie de l'hôpital. Nous étions partis quelque temps. Au revoir. Madame, pardonnez-moi si je vous ai retardé. Il n'y a pas de mal. Au revoir. Madame! Il est tard. Madame, non quero ser o primeiro a chorar. Eu não quero ser o primeiro a chorar, o primeiro a chorar. Je reviens toujours à cette histoire. Et toi, tu m'as parlé de Madame de Tournon. J'y reviens parce qu'il me semble que tout n'a pas été dit. Et je le sens, mon cœur le sent. Quoi qu'il en soit, même si cela doit te coûter, il est de mon droit de savoir, ne serait-ce que pour t'aider. Tu m'obliges à une confession que je veux depuis longtemps. Je ne sais comment la faire. J'ai de nombreuses craintes qui me retiennent. Je la veux et je ne sais. Je ne sais si je dois. Après ce que tu as dit, ce long silence me chagrine plus que tes paroles. Parle, ne me laisse pas dans cette incertitude. Tu as raison. Il est de mon devoir d'être loyal envers toi. Et je veux l'être. Mais j'ai peur de... De me blesser. Je connais trop le monde pour ignorer que la considération pour un mari n'empêche pas que l'on soit amoureux de sa femme. On doit haïr ceux qui le sont et non pas s'en plaindre. Une fois de plus, je te conjure de me dire ce que j'ai envie de savoir.
Eh bien, je vais te faire un aveu qu'on n'a jamais fait à son mari. Mais l'innocence de ma conduite et de mes sentiments m'en donne la force. Je n'ai jamais donné nulle marque de faiblesse et je ne craindrais pas d'en laisser paraître si tu me laissais la liberté de partir loin d'ici. Quoi donc ? Tu voudrais te séparer de moi ? Non, mon Dieu. Je te demande de me comprendre et de me pardonner des sentiments qui te déplaisent. Si je ne puis fuir mes sentiments, je ne te déplairai jamais par mes actions. Pour très dangereux que soit le parti que je le prends avec joie pour me conserver digne d'être à toi. Songe que pour faire ce que je fais, il faut avoir plus d'amitié et plus d'estime pour un mari qu'on n'en a jamais eu. Conduis-moi, aie pitié de moi, aime-moi encore si tu le peux. C'est toi qui dois avoir pitié de moi. J'en suis digne. Pardonne-moi si dans les premiers moments d'une affliction aussi violente que la mienne, je ne réponds pas comme je dois à un procédé comme le tien. Tu es plus digne d'estime et d'admiration que tout ce qu'il y a jamais eu de femme au monde. Mais aussi, je me trouve le plus malheureux homme qui ait jamais été. Tu m'as donné de la passion dès le premier moment que je t'ai vu. Je vois que je ne suis jamais arrivé à éveiller de l'amour en toi. Et je vois que tu crains d'en avoir pour un autre. Qui est-il, cet homme heureux qui a su toucher un cœur qui m'est resté fermé ? Je t'en supplie. Je m'étais consolé en quelque sorte de n'avoir pas touché ton cœur par la pensée qu'il était incapable de l'être. J'ai tout ensemble, la jalousie d'un mari et celle d'un amant. Mais il est impossible d'avoir celle d'un mari après un procédé comme le tien. La sincérité et la confiance que tu as pour moi sont d'un prix infini. Je n'abuserai pas de cette confession et je ne t'en aimerai pas moins. Mais tu me rends malheureux par la plus grande marque de fidélité que jamais une femme a donnée à son mari. Maintenant, dis-moi qui est celui que tu veux éviter. Je t'en supplie, ne me force pas. Je suis décidée de ne pas te le dire. Et je crois que la prudence ne veut pas que je le nomme. Ne crains rien, je te conjure de me le dire. Je te demande de ne pas insister. J'aurai la force de taire ce que je ne dois pas dire. L'aveu que je t'ai fait n'a pas été fait par faiblesse. Et il faut plus de courage pour avouer cette vérité que pour entreprendre de la cacher. Je ne saurais te croire. Je me souviens de l'embarras où tu t'es trouvé quand j'ai cherché la photo que j'avais fait encadrer. Est-ce que tu l'as donnée ? J'aimais tellement ce petit portrait de toi, j'avais plus que tout autre le droit de le posséder. Est-ce bien possible ? Tu penses qu'il y a quelque déguisement dans un aveu comme le mien ? Un aveu qu'aucune raison ne m'obligeait à te faire. Crois-moi, je n'ai pas donné cette photo. Il est vrai que je l'ai vu prendre, et je n'ai pas voulu faire paraître que je le voyais, de peur de m'exposer à m'entendre dire des choses que l'on ne m'a encore jamais osé dire. On t'aimait ? Quelle preuve t'a-t-il donné de sa passion ? Épargne-moi la peine de te dire des détails qui me font honte à moi-même de les avoir remarqués. Qui ne m'ont que trop persuadée de ma faiblesse. Tu as raison, je suis injuste. Refuse-moi toutes les fois que je te demanderai de pareilles choses, mais ne t'offense pas si je te les demande, parce que... Pardonne-moi si je vous coupe, mais je suis forcé de le faire. Le train va partir, et si je le rate, j'en ai plus d'autres.
Je vois bien, vous êtes des braves gens. Vous n'allez pas refuser d'écouter un pauvre type comme moi. Je suis venu ici avec l'espoir de trouver du travail. Madame, ma vie a été un vrai martyr. Je crève la faim et j'ai pas un sou pour manger. Je voudrais rentrer chez moi. Ici, j'ai pas la moindre chance. On trouve pas de boulot et je sais pas où dormir. Je veux rentrer chez moi, mais j'ai pas l'argent pour le billet. Là-bas, j'aurai toujours où dormir, où manger et on me trouvera du travail. Je vous en supplie. Il me manque 100 francs pour le billet. Si je les ai tout de suite, je peux encore sauter dans le train. Par pitié, j'en peux plus. Je tiens plus sur mes jambes. Et j'ai personne à qui m'adresser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dieu vous le rende. Pauvre garçon, si jeune et si misérable, quel monde injuste. Tu as raison, injuste et cruel. Mais lui, c'est un drogué, il l'a voulu. Non, c'est une victime. Pauvre garçon. Oui, une victime. Au contraire, tu as très bien fait de lui dire la vérité. Il t'aime vraiment. Et la meilleure preuve de son amour, c'est cette attitude compréhensive qui devient si rare. Oui, il m'aime. Mais je ne le mérite pas. Je l'ai retrouvé abattu et sans plus aucun intérêt pour rien. Sans réaction violente ou agressive. Ah, s'il pouvait en avoir, je me sentirais mieux. Il est torturé par la jalousie. Je l'ai ressenti si fort que je me sens responsable de ce que le destin nous a forgé. Si le destin l'a voulu ainsi, il ne faut pas que tu te sentes coupable. Tu es tout autant sacrifié que lui. Tu as été loyale, tu es toujours fidèle. Dans un monde comme celui d'aujourd'hui, une telle attitude devient très exceptionnelle. Une autre aurait trompé son mari. Ou bien elle serait partie avec son amant. Ton mari, lui, est une autre exception. Surtout pour son abnégation. Il a beau la porter stoïquement, mais ça n'adoucit pas sa souffrance. Je suis sa compagne dans la souffrance. Toute l'affection. Toute la tendresse que je lui donne me vient du cœur, mais je sens bien que c'est insuffisant, et même inutile. Ça m'est tellement pénible de le voir dépérir, déprimé et malade, sans que je puisse rien y faire. Il souffre, je souffre. Celui que j'aime souffre aussi. Je vis avec ces trois douleurs cloîtrées dans mon cœur. Ta souffrance, ma chérie, cache un autre amour, un bien plus grand, celui qui est toujours avec toi, celui qui est toujours entre nous. Il en est ainsi pour toi. Tu as été appelée par cette vie. Mais mon destin m'a donné à suivre un autre chemin. Renoncer à une passion.
souffrir. J'aurais dû garder mon secret pour moi toute seule. Finalement, il était innocent et n'a servi qu'à te faire du mal. Tu aurais eu le courage de me laisser à cet aveuglement, à cette tranquille illusion dont jouissent tant de maris? Non, ma chérie. Sache que tu m'as rendu la mort agréable. Et quand tu seras libre, tu pourras rendre à Brunosa heureux sans que cela t'oblige à commettre un crime. Un crime, moi? Tu es injuste. Je n'ai jamais rien fait avec l'idée de te le cacher. Je sais contrôler mes actes, mais je n'ai pas de prise sur mon cœur. Ce me sera toujours un soulagement que de penser que tu es digne de l'estime que j'ai pour toi. Maintenant que je me sens mourir, je te demande de me laisser croire que mon souvenir te sera cher. Je n'ai jamais eu pour personne autant d'attachement, pas même pour ma mère, que j'en ai pour toi. Je vais vous laisser maintenant. J'ai encore quelques courses à faire. Consolez-la. Et surtout, ôtez-lui ce sentiment qu'elle a de culpabilité. Vous seul pourrez le faire. Courage. Il faut que tu acceptes cette mort. Je me sens très coupable. Il n'y avait pas de meilleure façon de répondre à son amour. Tu l'as toujours traité avec la plus grande tendresse et la plus grande fidélité. Personne ne peut aimer contre la volonté de son cœur. Tu ne pouvais pas mieux faire. L'affection que tu avais pour ton mari ne pouvait être plus grande. Et maintenant, il te reste la douleur d'avoir perdu un mari qui t'aimait. Qui t'aimait beaucoup.
parce qu'il t'a beaucoup aimé, ta douleur n'en est que plus grande. Il est mort assoiffé d'un amour que je n'ai pas pu lui donner. Et rongé par la jalousie. Ne pense pas ça. Tu dois te plier. Tu dois accepter les desseins supérieurs de Dieu. Oui. J'ai pris la fuite, mais il m'a vue. J'ai couru chez moi et je me suis cachée derrière la fenêtre. Et pourquoi fuir ? J'ai peur. Peur de quoi ? Peur qu'il me voie, peur qu'il me parle. Je dois fuir, je ne sais pas où. Te rends-tu compte ? Louer l'appartement en face de chez moi. Il me poursuit quand il est là et même quand il n'est pas là. Le pire, c'est que je n'arrête pas de penser à lui. Écoute, ma chérie, pardonne-moi de te le dire, mais tu te conduis comme un enfant. Je te comprends plus. Mais pourquoi ?
parce que je te vois compliquer ce qui est simple, finalement. Simple? Oui. Tu l'aimes. C'est bien ça. Ce que vous éprouvez l'un pour l'autre. C'est une énorme passion. Alors, pourquoi tu ne l'épouses pas? Vous êtes libres tous les deux. Tu sais bien ce qui m'arrête. Le souvenir de ton mari. Personne ne t'oblige à faire ce sacrifice. Lui-même ne l'aurait pas voulu. C'est ton bonheur qui est en jeu. Le tien et le bonheur de celui qui t'aime. Je ne vois plus aucune raison pour avoir de ces scrupules. Tu es une femme très jeune et tu es en train de faire un sacrifice inutile. Tu es libre maintenant. Et tu dois penser à ta vie. Et à ton bonheur. Pourquoi tu es si obstinée? Tu ne dis rien? J'ai d'autres raisons. Je ne vois pas lesquelles. Par deux fois déjà, je me suis exposée et j'ai perdu. Surtout maintenant, je ne dois pas m'y risquer une troisième fois. Pourquoi? J'ai peur. Peur d'une souffrance bien plus grande encore. Et peut-être même fatale. 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 Je devine chez cet homme, ce chanteur adoré des femmes, que la passion exaltée s'évanouira après le mariage. Rien ne serait plus cruel pour moi que de le voir briser cet envoûtement créé par l'impossibilité de notre amour. Je ne pourrais pas résister à un coup pareil. Surtout après la mort de Louis. Elle a été un avertissement pour moi. C'est ça qui te retient. Peut-être il n'en serait pas ainsi. Mon cœur me le dit tout bas. Qu'est-ce que tu penses faire? Écoute, venir ici souvent et te confier mes chagrins? Aussi souvent que tu le veux. Mon enfance a été le moment le plus heureux de ma vie. De tels souvenirs me donnent assez de force pour vivre seule. Finalement, l'amour n'est pour toi rien d'autre qu'un enchantement. Un enchantement qui est devenu une réalité bien cruelle. Mais cela changera peut-être, tu sais. Ma chérie, ton existence est vide. Tu fuis l'amour de cet homme. Ça n'a aucun sens. Ou alors tu quittes cette vie et tu prends l'habit. Ce serait bon pour moi si je le pouvais. Mais il me manque la vocation. Oui, je sais. Pour devenir religieuse, il faut absolument avoir cette vocation. Ne t'inquiète pas de ce que je vais devenir. Je vivrai une partie de l'année à la campagne, une autre à Paris. À la campagne quand il n'y sera pas. Et à Paris quand il n'y sera pas. Tu comprends bien l'anglais et l'allemand. Tu as fait des études. Tu peux te trouver une vocation. Oui, avant de me marier, j'ai travaillé parfois à la fondation avec Madame Da Silva. Mais dans l'état où je me trouve, je ne pourrais pas me concentrer sur le moindre travail. Je vivrai toute seule.
j'en ai les moyens, et après on verra. Alle 8 della notte, voglio sentire da 1 fino all'8. Je l'ai cherchée partout. Elle n'était pas dans sa maison de campagne. Là-bas, on n'a rien su me dire à son sujet. Quant à son appartement à Paris, j'ai appris qu'il avait été mis en vente. C'est pour ça que je viens à vous. Dans l'espoir d'apprendre où elle se trouve. Mais... moi non plus, je ne sais rien d'elle. Ce que vous me dites est tout nouveau pour moi. Si elle était partie à l'étranger, elle ne l'aurait pas fait sans me dire quelque chose. Sans me dire... au revoir. Franchement, je ne vois pas qui pourrait nous renseigner. Ah, peut-être. Cette amie religieuse. Une de ses amies d'enfance. Ah oui, peut-être elle sait quelque chose. Si vous pouviez lui parler, je vous en serais tellement reconnaissant. Mais bien sûr, je suis moi-même bien inquiète. C'est très étrange que vous me dites cela. C'est vrai, je ne l'ai plus revue. Parfois aussi, elle m'écrit, mais là, rien. Il y a très longtemps que je ne reçois pas une lettre d'elle. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver ? Comme vous le savez, j'étais une amie de sa mère. Oui, je sais. Vous étiez très amies. J'ai souvent entendu prononcer votre nom par Madame de Clèves. Et les rares fois où j'ai vu Madame de Chartres, elle m'a toujours parlé de vous avec beaucoup d'affection. Je suis très inquiète. C'est la raison de ma visite. Vous êtes sûrement au courant. Un chanteur assez connu, un certain Pedro Abruñosa, a une grande passion pour Madame de Clèves. Elle se refuse à lui. Je crois que le souvenir de Monsieur de Clèves y est pour quelque chose. Je ne sais pas à quel point cela peut avoir un lien avec son absence. Est-ce que vous avez cherché dans les hôpitaux ? Elle a eu peut-être un accident. Pedro Abruñosa s'est dépensé sans compter. Il n'y a pas un endroit où il ne se soit informé. En vain. C'en est désespérant. C'est étrange. Elle non plus ne sait rien. Et j'ai vu qu'elle était très soucieuse. Mais comment est-ce possible ? Elle aurait pris la fuite ? Elle se cache de moi ? Si ça se pouvait. Vous craignez quelque chose de pire ? Je ne sais pas. Mais il se passe quelque chose. Quoi donc ? Bien. Ce ne sont que des hypothèses. Franchement, je comprends pas.
Elle est libre. Maintenant, elle est libre. Je ne vois pas de raison de fuir. Elle est très étrange. Elle a toujours été quelqu'un de différent. Il y a sans doute des raisons que nous ne connaissons pas. Des raisons que nous ne connaîtrions pas. Mais quelles raisons ? Dans une telle situation, on peut tout imaginer. À la vérité, on ne sait pas ce qui se passe dans ce cœur. Bien mystérieux. Tu es la seule personne à qui j'écris. Mais je te demande de ne dire à personne où je suis et que tu as reçu une lettre de moi. Je veux que personne ne sache et surtout pas la personne que tu sais. Tout a été très vite. Je les ai rencontrées quand elles se préparaient à embarquer. Nous avons à peine parlé, mais ça a été suffisant pour que je sente un besoin impérieux d'aller avec elles. C'était comme une porte qui s'ouvrait dans ma vie tourmentée. J'ai couru faire mes valises et je n'ai même pas pu te dire adieu. Pendant le voyage, j'ai souvent repensé à ce qu'elles m'avaient raconté, au sujet des autres missions par où elles étaient déjà passées. Ce qui me surprend, c'est que ce sont des sœurs très jeunes. Nous sommes quelque part, en Afrique. En pleine brousse, avec des centaines de réfugiés qui campent ici parce qu'il y a une petite source qui arrive à peine à les soulager de la soif. La plupart sont des enfants, et ce sont eux qui souffrent les plus dures épreuves à cause des guerres fratricides qui pullulent par ici. Ces missionnaires étaient venus pour évangéliser. Mais elles disent, comment allons-nous enseigner la foi à ces petits-enfants qui ont faim et qui sont malades? Nous devons avant tout leur apporter de quoi manger et des médicaments. On passe des jours et des jours dans un désespoir immense, car il nous manque tout. Ces missionnaires font appel à toutes les organisations humanitaires à cause des épidémies. Nous sommes loin et tout est très lent. Je les aide dans leurs tâches difficiles. C'est une vie terrible, mais devant ces malheureux, nous ne pouvons faire autrement. Nous n'avons pas le courage de les abandonner. Les mères souffrent le martyre parce qu'elles n'ont pas de lait dans leur sein pour nourrir leur bébé. Les enfants squelettiques nous regardent avec une prière dans leurs grands yeux. Les vieux, affamés et résignés, n'attendent plus que la mort. On en vient à penser. Comment de telles choses peuvent-elles arriver? Est-ce que l'aveuglement et la cupidité des hommes qui fabriquent ces guerres ne leur permettent pas de rien voir au-delà de leur avidité de pouvoir? Et comment peuvent-ils être indifférents à ces innocentes victimes qu'ils laissent derrière eux? Avec les photos que je t'envoie, tu peux te faire une idée de ce qu'il en est. Juste une petite idée. Parce que la triste réalité de chaque jour que nous passons ici n'est pas de celle qu'on peut photographier.
regarde comme ces missionnaires ont le visage fané. Elles sont ignorées du monde et se donnent de toute leur âme, de tout leur cœur, sans se ménager et sans craindre les maladies qui déciment ces malheureux. Et malgré tout cela, regarde comme elle sourit encore. Ce n'est pas la même chose de lire là-bas à Paris des nouvelles sur la souffrance terrible de ces pauvres gens et de partager ici cette vie à leur côté, comme le font pieusement ces missionnaires. Elle s'oublie elle-même et se retrouve prisonnière de cette misérable tragédie où les gens meurent chaque jour. Je suis poursuivie. Je ne sais pas bien pourquoi ni comment, mais par un vague sentiment de faute. Oui, de faute. De faute et de peur. J'ai mis en vente l'appartement de Paris. Quand je reviendrai, j'irai à la campagne, comme je regrette le temps où j'ai vécu là-bas avec ma mère. Après ce que je vis en ce moment, je ne serai plus jamais la même. Et si je m'étonne du courage qui m'a amenée ici et m'y fait rester jusqu'à maintenant, il est vrai aussi que je ne supporte plus ce que me demande ma conscience. Mes yeux n'en peuvent plus de voir de telles souffrances. Je n'ai qu'une envie, celle de fuir. Ce qui m'a retenue, c'est de voir l'abnégation de ces missionnaires qui se donnent à ces gens sans faiblir et avec la même force qu'au premier jour. Je me demande alors, d'où leur vient une telle force? Non, pas seulement là. Sem fazer uma música que sei que diz muito a muitos de vocês. Infelizmente, porque é uma música que fala de amor, mas também fala de morte. E é preciso lidar com tudo. E eu quero que vocês me ajudem hoje a exorcizar esta canção de dentro de mim. Ou já a noite descobre a dor que encobre.